Dans la province chinoise du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, le bilan humain fait état maintenant de 11 morts depuis le début des fortes pluies de mardi qui ont provoqué d'autres catastrophes, notamment des inondations en montagne et des coulées de boue dans la préfecture autonome tibétaine et Tian Daba. Jeudi soir, 26 personnes étaient toujours portées disparues. Le district de Wenchuan était la région la plus touchée, avec plus de 90% des résidents qui subissent les conséquences des pluies torrentielles. Des maisons, des routes, des barrages et des conduites d'eau potable ont été endommagées. Plus de 50 000 personnes ont été évacuées. Les opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours.